Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course. Donc je suis allée chez Lidl. Donc là c'est un petit retour de course d'appoint. Bon, il y a quand même pas mal de courses, mais on va dire que ça ne sera pas pour des courses de la semaine. J'ai programmé mon drive pour demain. On sera jeudi 6 août. Donc aujourd'hui, vu que je n'ai pas eu le temps de le programmer, j'ai juste été faire quelques courses à Lidl. Donc on va commencer par le surgelé, car avec la chaleur on va se dépêcher. Donc j'ai pris ici des glaces mini mix, donc des classiques, voilà. Donc ici des mini mix chocolat amande. Alors ici c'est en grande taille, donc des classiques au chocolat vanille. Il n'y avait pas ceux avec les amandes en grand, donc les rayons étaient pas mal dévalisés avec la chaleur, les glaces, tout ça. Et puis les gens ont pas mal fait leurs courses, donc mais bon, on a eu de quoi faire. Donc ici aussi en classique les white, donc celles-ci elles sont très bonnes. J'ai également pris des steaks hachés pur bœuf, donc par 10, en surgelé également. Des frites, donc allumettes. Donc 1 kg, j'en ai pris 2 également. Et j'ai également pris, alors pour finir il me semble dans le surgelé, ici, donc pour faire des smoothies, donc un mix à l'orange. Donc il y a 3 sachets et un mix de mélange fruits rouges. Donc également en 3 sachets. Je vous ferai un petit retour là-dessus. Donc voilà pour le surgelé, je range et je vous montre le reste. Donc mon conjoint s'est pris, alors c'est un set de tournevis, donc comme ça, 32 pièces. Et également, alors ici ce sont des clés, donc voilà. Bon, les hommes comprendront mieux, hein. Moi je vous montre ça comme ça. Voilà. 13,99€. Ouais, ça je le dirai après. Alors, on a également pris un pack de lait. Donc, en attendant, comme je vous l'ai dit, le drive. Alors, dans les boissons, j'ai repris ici un pulpe orange, un coca et deux limonades. Donc, ça, c'est pour faire un petit peu plaisir aux enfants. Les packs d'eau arrivent demain. Donc également, alors ça il en faut tout le temps, ça part très vite chez nous, des œufs. Donc j'en ai pris un ici et, oups, c'est à l'envers, un deuxième. Donc 60 œufs qui vont partir très très vite. Donc ici, alors j'ai eu en promotion 30%, une petite promotion sur l'aliment du Nord à la Meunière. Donc ce poisson est excellent, les enfants adorent ça. Donc également, alors, de l'eau de jambon de Paris par 6. Des côtes de porc dans les Chines. Donc c'est en lot XXL. Donc 12 côtes de porc. Pour la famille XXL. Voilà. Ici, alors, les galettes bretonnes par 6. Alors je vous mettrai les prix. Mais alors chez Lidl, elles sont vraiment pas chères. J'ai pas encore testé de les faire moi-même. Dites-moi vous si vous les faites vous-même, si, si c'est bien meilleur, parce que j'ai pas encore testé, j'ai pas encore osé tester, on va dire. Donc j'ai pris également un lot de biscuits comme ceci, il me semble, oui il est là, il y en a un deuxième, voilà. Un lot de barres fourrées au lait, voilà. Et un paquet de cookies. Alors, c'est des cookies pépites de chocolat noisette caramélisées. Moi, j'ai pas l'habitude de les prendre, ceci. C'est mon fils qui adore les cookies. Donc, il me dira quoi. Ça fait sombre, hein, franchement, là. Ça fait sombre. Attendez, on va mettre un petit réglage. Parce que moi, je m'y connais pas du tout avec ça. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est un petit peu mieux, on va dire. Donc ici, des néos. Bon, c'est
comme des Oreos, hein. Voilà, donc une boîte. Oups. Et ça pour monsieur des Kinder Country. Moi, tu vas m'en donner un quand même. Bien sûr, deux même. Rien du tout, vas-y donc. Deux. Ouais, pas gêné, vraiment, franchement. Alors, de la brioche tressée. Deux brioches. Alors, ici, samedi, on organise un barbecue. Donc, on a pris quelques... pour l'apéritif. Je vous ferai d'abord... Barbecue sans alcool. Parce que la fête est plus folle. Je vous ferai un retour de course pour mon barbecue. Parce que là, vu qu'on les a achetés, je vous les montre. Mais tout ce qui est viande, tout ça, je vous ferai un plus gros retour. Donc, on a pris des noix de cajou. Des cacahuètes enrobées goût bacon. Pour monsieur. Alors, des cacahuètes salées. Encore un deuxième cacahuète salée. Et des pistaches. Donc là, les yaourts. On a un lot de 8 pots de liégeois chocolat. Voilà. Oui, je sais, je dis beaucoup voilà, mais voilà, voilà. Ben moi, c'est donc voilà. Donc Oh, ouais, voilà. Donc ici, des flans, bon, comme des flambis, par 12. Voilà, si je ne me trompe pas. Oui, c'est par 12. Également, alors, des liégeois. Donc, ceci, c'est saveur vanille sur coulis de caramel. Donc, j'ai pris de l'eau et le reste, 5 lots de liégeois au café. Les enfants adorent cela. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, j'aimerais bien investir dans une yaourtière. Donc, je ne sais pas si c'est avantageux au niveau des enfants, vont-ils tout aimer. Je sais qu'on peut faire des crèmes dessert aussi à la yaourtière. Donc, si vous en avez une, vous pouvez me dire en commentaire si c'est vraiment utile. Ce serait sympathique. Donc, encore des biscuits. Donc, nous avons des spéculoos. Donc, c'est tout pour les biscuits. C'est vraiment un petit appoint. Bon, puis on fait pas mal de gâteaux maison. Hein. Les petits biscuits, c'est... Bon, entre deux, les enfants aiment bien. Hein. Les spéculoos, je ne les fais pas moi-même. Je ne sais même pas si c'est possible de faire soi-même. Bon, c'est des biscuits à la cannelle, on va dire. Mais voilà. Sinon, entre deux, on fait pas mal de gâteaux. Mais c'est vrai que ça change entre deux. Donc là, justement, pour la pâtisserie et la cuisine, j'ai repris deux blocs de beurre. Ici, on a un petit lot... Enfin, un petit lot de 4 petites boîtes d'allumettes. Une sauce barbecue. Un emmental râpé de 1 kg. Pareil, ici, ça part très vite entre les quiches, les pâtes, les lasagnes et tout ce qui s'ensuit. Ça part très vite. Du pain platine. Alors, on en a deux pain platine. C'est bientôt la fin. Je regarde. Alors, on a de la crème fraîche. Donc, deux condiments de crème fraîche. Bonjour, Minou Minou. Il y a le chat de mon fils qui rentre par la fenêtre. Donc, ici, de la margarine. Donc, pareil, un contenant de 500 grammes. Et l'incontournable, et oui, le Nutella. Donc, un pot de 800 grammes. Et ne pas oublier essentiellement dans la vie, le rouleau de PQ. Et le papier cul, bah oui, un papier cul, il en faut. Hein. Le papier cul. Donc, écoutez, ma foi, c'est déjà tout. Ah non, c'est pas tout, hein, monsieur, il n'y a pas fait tout montrer. C'est quoi de cette affaire là? Donc, on a. Je suis en train de dire en même temps, je sais même pas ce que j'achète en fait. C'est du sel. Du sel. 2 kilos de sel. Pour le lave-vaisselle et du papier cuisson, ça j'en avais plus. Alors là, c'est en feuilles prédécoupées. Je verrai bien. D'habitude, je prends en rouleau, mais là c'était des feuilles prédécoupées, donc ça ira très bien. Donc, cette fois-ci, c'est bien fini pour ce retour de course.
Donc, on se retrouve très vite pour le plus gros retour de course de chez Leclerc Drive, qui sera un retour de course pour une semaine où je vous montrerai mes menus. Donc, bien sûr, il y aura les courses également, le surplus de début de mois. Donc, bon, ben là, comme vous l'avez vu, le papier toilette, tout ce qui est, tout ce qu'on prend en cours en plus des menus de la semaine. Donc, voilà. Donc, pour ce petit retour de course, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, ça me fait plaisir. Les petits commentaires également. Et puis, on se retrouve bientôt. Bisous, bisous.